Alors, c'est un fils. Ils sont quatre ici. Request rearming. Copy. Ground power. Copy. Ground power is now on. Soixante 236.
Und Ici sur fréquence radio. Et fort et clair. Ah, désolé, mon jeu a eu du mal à foncer. Ouais, t'inquiète, je suis en train de tout paramétrer. Tu veux me dire qui c'est quoi? De 161 11 11 11. Et non. Donc c'est 236. Non plus. 36. Et salut les gars, est-ce que vous avez la fréquence pour l'ATC? J'ai pas regardé ouais, sur le Nippon Libération, j'ai regardé que sur notre truc. Bah écoute, j'ai regardé. Sur Libération, c'est 360.100 qui dit le truc, mais y'a personne dessus donc. Bah j'ai essayé 300 et j'ai essayé 200. Y'a personne non plus. Tu parles de quoi, Dixon? Fréquence ATC. Fréquence ATC, je t'ai donné, ça sera 360.600. Et bien après. Ok, alors. Je vais déjà paramétrer ça. Chief, remove the wheel chocks. Ouais, quand tu pourras, je serai prêt à faire un alpha check sur le Ok, je vais installer la MIP moi juste après le démarrage, donc je te dis dès que c'est prêt. C'est bon. Ça.
Bah, deux, je serai pas à vous, là, je crois. Ok, de toute façon, je vais attendre que Gramex demande le démarrage et je le fais dans la foulée pour moi. Ah, pour nous. Allez, tiens, pour le décollage, tu veux qu'on suive la procédure IFR ou t'as plus simple pour me retrouver? Ou pas me perdre surtout. La procédure IFR et donc il y a des câbles, de toute façon je serai 30 secondes derrière toi. Je te chope au radar. Ah, c'est vraiment quand ça t'arrange, hein, tu me dis, pour que ce soit plus simple. On suit la procédure IFR. Ça sera plus propre. Ok, donc 5 nautiques, je fais l'arc DME pour repartir et intercepter le 180 et je te laisse me rattraper. Au pire, on se retrouve après le 180. Quand on est sur le 180 vers Delta et au pied des cases sur Delta, tu changes pas de cap, tu continues dans l'axe et je te récupère. On fait comme ça. Mon alignement est terminé, mais j'attends Ramex pour pas de consommer trop de carburant. À Delta, tu remontes jusqu'à quelle altitude? Parce qu'il me semblait dans le briefing que vous restez en basse après Delta. On vole 5000, je crois, jusqu'au recalage, me semble-t-il. Après, c'est 500. Parce que sur la charte, ils disent de monter le passé Delta au FL 125. On reste à 5000. Ouais, bah moi, Waco avait parlé de 5000 tout à l'heure, donc je pense qu'on va. On va rester 5000. Ok, ça me va. Un petit jalon là encore.
faire ça. Je vais changer tout de suite. 15. 9. Intervic Tower, Amex Flight 4, Mirage 2000, Golf Loop. Strike mission over oil platform Colt. And starting up. Strike Tower, Rock Flight, One Mirage 2000, One Mirage, Foxtrot, One, starting up. Ouais, je t'écoute. Ça te dérange si la fréquence en ce moment la change pour prendre un des canons que j'ai de pré-réglé. Ça, je peux le mettre aussi sur la commande, histoire de suivre un peu la SIDAC aussi. Donc, il va falloir que tu me dises tout ce qui se passe. Ah ouais, tant que je suis au sol, tu peux me dire, hein, donne-moi une fréquence et je change. Hein. 266. Je crois qu'elle est boîtisée, attends, je la mets et je te dis. Vas-y, on peut faire l'alpha check de la cible, donc moi je l'ai au 183,84 pour 209 décimales unités nautiques. Ouais, on doit pas être tout à fait dans la même zone, donc c'est bon. Ils sont sur l'ATC, après la commune, et ils ont une interne entre eux.
Là on est sur l'aéroport et après on passe sur deux unités. Bon. Pas 160 décimales 60. Et tac, tac, bingo, c'est fait. Je suis prêt à rouler. Juste mes plans de balle. D'accord. Parfait, donc. Marque synthétique. Je sais pas si ça a été entendu ou à quoi la radio. Ouais, j'ai vu un moteur cramé de 2000 en face de moi. C'est vrai que ça arrive pas souvent, mais parfois une petite minute d'inattention, c'est foutu.
le roulage. Pas d'alarme. Je suis bien. On charge. Parfait. Je virage droite pour maintenir 5 nautiques et radial 180. Je sors. Tête à 15 nautiques. Petite question, leader, on passe FL 125 ou on reste à 5000 pour Delta? On reste à 5000. Ok, bien pris, merci. Voilà, j'ai confirmation de Waco, on reste bien à 5000 pieds pour Delta. Ouais, je vais nous annoncer là de suite. Insect Tower, Rogue 6, One Marshal Sunderland, One Mirage, Fox Trot, One Taxin, Behind Ramex. Et c'est parti. J'ai un peu de lag. L'avion qui arrive. Non, je crois que c'était toi, mais c'est pas toi. Il y a un F-15 qui arrive. Oh, il y a un truc qui arrivait, ouais. Il y a un F-15 qui passe. Un F-15 derrière. Un F-15 C. Ouais, derrière moi, il n'y a plus personne. Laisse passer l'IA. Un petit peu. De toute façon, je t'attends à la prod. Je pense que je vais devoir les laisser passer aussi. Alors, je sais pas où t'as spawné, toi. Alors, je suis juste à la sortie du Golf Loop devant le parking où on doit se rejoindre et j'ai les F-15 qui passent juste devant moi. Donc, si toi t'es derrière, c'est bon. Moi, je suis passé dans l'autre sens. Je suis
Ok, bah écoute, je t'attends, donc tu vas arriver derrière moi alors. Il y a un mec qui part juste après les films. Ouais, je sais pas si c'est une place. Ok, bah je suis derrière toi. Eh bah parfait. J'attends que Ramex bouge et je prends leur place. J'ai l'impression que mon phare de F1 éclaire vachement plus que l'autre. Bon, mais moi ça va, ça ne me va pas trop. Et Rogue Holding Impact. Rogue Departure After Ramex. Possible. Qu'est-ce qu'il y a? Le dernier mirage d'école. Insalic Rogue Flight, line-up 0. Ok.
Sorry, guys. Et tu me dis quoi, t'es bon? Ok, j'y vais. Je fais mon run-up. Je suis vert, c'est parti. Select Tower, Rock Flag là-bas. Je suis à 300. Un peu avant.
Je suis sur la radio à la 5-3. Sans nœud, 5000 pieds. Ok, j'irai que je suis en train de quitter l'axe pour aller sur la radio de 180. C'est bon, monsieur, sur ta chance. Ok, je reste à prendre son nœud le temps que tu rejoins et on n'a pas passé Delta de toute façon. Tower Rockfight Overhead Delta Switching Tactical. C'est la 2-6 unité, si tu l'as. C'est qui un dissenté? Rogue 6 flight passing Delta at 5000 feet. Continue to the mission. Ça peut être ça. J'ai 14, parfait. Tu me dis quand t'as. Bah, je prends direction but du recalage, je reste à 302. Donc je vais faire attention, je vais faire un virage droite. Tranquille. C'est quoi toi ta vitesse de croisière? Bon, là c'est pas bon, c'est une configuration 3 bidons, j'ai jamais testé, mais je pense que je peux être comme vous, hein, avec 85 sans problème. Eh bah écoute, je descends TBA et on va passer max 185 tranquille. Rogue 6 Flight descending low level.
pas ça. On a des... Ouais, j'accélère tranquille, j'accélère un petit peu, hein. Où veux-tu payer? Je passe à 90% de gaz. Rogue One is sorti Nautical Miles of Breakpoint. Confirme 3-0. Sorry, 50 Nautical Miles. 5-0. Ah, t'inquiète pas de soucis, de toute façon là on est à la vitesse quasiment demandée dans le briefing, ça fait max 0,8. Cap du recalage, on est sur un 2 unités 7. Va-t-on trouver un phare dans cette bouillie verte? Ouais, ils sont 20 nautiques devant, on se rapproche de l'île, on essaie de trouver le phare. Rock 6 copie, ignore NSLET. Bon bah pas de recalage et on fera l'arrivée, j'espère pas trop décalé sur les Derrick.
Comment? Ouais, de toute façon, c'est de la désignation visuelle, hein, pas de soucis. C'est plus pour que le point but nous amène à peu près où il faut pour prendre un visuel. Je vais prendre un léger virage gauche pour me reprendre le même axe que mes collègues. Exact. Mais je crois que le point de but est pas bon, donc ça sert à rien. Et il est beau, on voit bien en plus. Rogue Ramex Target Point 131 miles in 169 degrees. Ah, je suis désolé, j'ai un peu trop tourné, on va reprendre un cap 180. Je vire à droite. Et je vais passer fencing si ça te va, ça va aller pour toi. Rogue 6 passing far and passing fencing and in 180 for what? J'ai pas compris sa dernière phrase. Ramex Rogue, can you repeat your last sentences? Max speed for Mirage 2000 and Mirage if one. Distance to target is 110 miles. And 30 minutes for run. Ouais, bah écoute un petit peu, mais je pense pas qu'on va aller beaucoup. Je monte à 95%.
La visuelle, ok. Roxis increases his speed and Rolex to target 10 miles. Confirm time to target 10 miles. Copy descending our speed to 540 knots. Ouais, léger. On va se mettre à 540 nœuds. J'ai établi 540. Taper sud-ouest. Alors je vais taper la sud-ouest, tu tapes la nord-ouest. Oui, je tape la nord-ouest.
November Echo. Rogue, same information. Après l'attaque, on part au 270 par le nord, ouais, par la gauche. Non, par la droite, Y virage droite vers le 270 et redescente. Voilà. On va tourner virage gauche pour se rapprocher de la cible. Rock 6 heading to target.
ferai un dernier virage gauche, un dernier ajustement. J'ai vu sur nos copains, je pense. Allez, on y va. Tirage gauche. Rogue 6 copy. Rogue 6, 2 miles. Ok, j'ai visuel, je vais me redécaler sur la droite. C'est les deux qui sont devant. Ouais, c'est ça. Moi, je déclenche à 5 nautiques. Donc, je prends celle de droite. Ben, j'éclenche. Oui, je déclenche de droite. Bombs away. Deux lignes. Je crois qu'il y a quelqu'un là. Je sais pas si c'est toi que j'ai croisé, mais il faut se barrer. Ouais, pas de soucis. Rogue One, target hit and egress 270. Je suis au 270, je redescends 500 pieds. Rogue copies Nails MiG 23. Je suis au 270 549. Je suis à 13 nautiques 5 de la cible.
Ok, je suis devant. Et on est next, c'est bon. On est naked. T'as assez de carburant pour rentrer? J'ai 4 je pense que oui. Moi j'ai 3000, je pense que ça passe aussi. On va aller encore un peu vers l'ouest et on va repartir vers le nord. Que je fais un virage droite vers le nord. Ramax, Rogue, you landing to Larnac. I say where which airport were you landing? We are heading to Larnaca to overfly it and then we'll go back to Intermic. Copy the Rogue 6-2. Ok, je fais un virage, on va aller vers le cap 3-3-0. Si tu veux, je peux réduire ma vitesse, je suis à 542. Ah, c'est une flèche, mon truc. Ça c'est beau. Je pense qu'on passe au-dessus de l'Arnaca pour assurer le coup. Et si c'est bon, on prend une Cyrillique. Et eux apparemment c'est bon, ils vont prendre une Cyrillique, que je pense que nous aussi ça va le faire. En tout cas, l'arnaquer, on pourra monter. On est à 78 nautiques de l'arnaquer. Combien? J'avais oublié FF. Ah. Je vais mettre le départ. Bon, c'est bien passé. Moi j'étais 64.
On doit pas être loin l'un de l'autre. Quand tu as une nouvelle, hein. Je pense que je suis tombé 7h08. Je suis un peu plus bas, ouais, je t'allume des cheveux. Ouais, c'est ça. Au sol. Rock 6, fine, four mics to l'arnaque. Ouais, je suis
Ouais, on est au niveau de la pointe, hein. On va pouvoir reprendre une série et monter. Tu veux monter à quelle altitude? Cinq, ça te va? Et bah c'est parti. On a un plus 6 pour commencer. C'est un cap 030. Plus 7, plus 7, 5. Et je passe Fensout. Plus 5 en montée. J'avais oublié qu'avec les bidons, ça a du mal à monter. Rogue, Overhead, l'Arcana, une Go to Insuric. C'est la couche nuageuse, tu devrais me retrouver. Ouais, je suis en train de couche aussi, je suis derrière toi, un peu plus haut. Je continue à monter juste viser à 25 500 pour une séparation avec toi. Ouais, j'ai vu. Voilà, on est même en VFR. Hein. Ouais, mais je pense parce qu'on rentrait nuit, mais là, j'irai bien voir ce qu'ils vont faire. Bon, j'y arrive tranquille, je suis à 15 000 pieds. Je passe la deuxième couche, 16 000 pieds, je suis à Mach 0,79. J'arrive à 20 000 pieds, même vitesse. Bah, dommage que je suis en sous-bas parce que là il y a une lumière. J'ai passé la deuxième couche, 18 500 pieds, Mach 0,8 avec un gros soleil. Je suis derrière toi dans des 7. C'est bien prêt.
on a un Ace 1023 dans nos 3 heures. Dans nos 1h30, 2h. Je garde avec 0,8 pour le moment. Ah bah c'est bien alors. Je suis 25 minutes. Stabilisé. Et 25 minutes. En visuel, hein, mais je pense que c'est bon. Ils sont ajustés des patients sur la gauche, je vais monter 10h. Ah, visuel.
15 nautiques. Je sais pas, pour moi je suis parti sur l'ILS, mais après c'est comme tu veux. De toute façon, on va rentrer directement sur le holding sud de la piste. J'attends. Non, on va basculer sur une CRD qu'on va bien voir ce qu'on fait. Bon, on va voir ce qu'ils font. Jusqu'à petit lys, parfait. C'est bon en carburant? Ouais, 2003, ça devrait aller. Je vais faire un virage par la droite pour m'accélérer pour arriver sur le nord. Sur... Je suis un petit peu en dessous, mais je suis large pour arriver. Moi aussi, hein, je suis à 1,5 tonne, hein, c'est bon, 50 petits, ça fait. J'attends 40 nautiques pour me réaxer sur le point. On est presque bon. Rogue switching tout. Je fais un virage gauche pour me recaler un peu. Ils arrivent sur Eagle, donc je pense qu'ils vont faire une arrivée VFR. Bon, écoute, on est parti ILS sur la 05, on va faire ILS sur la 05. À moins que tu aies envie de changer, hein. Moi je me. Voilà, regarde, je m'en fous. Hein.
Bon, bah, laisse tomber, on était parti sur l'ILS, en plus on est presque arrivé au lit. Moi je vais faire le holding au ras des pâquerettes et 3800, toi tu peux être à 4500. Non, moi je vais faire une directe, mais bon, c'était pour dire au cas où. Ok, moi je suis à 24 nautiques. Tower Rogue 6 flight to landing via un ILS runway 05. Je suis descendu, hein, je me mets déjà à l'altitude 3800, 250 nœuds. Le point direct là, j'ai recup. Je vais faire un patin d'ailleurs, pour arriver propre. Pareil pour moi. Salik Tower Rogue 6-1 Overhead Jerkup Holding. Je vais laisser arriver et puis après je vais me présenter.
pas beau. Ouais. Je pensais qu'ils allaient arriver plus vite que ça. Fait du dire. Moi, je suis toujours en train de pointer sur au sud. Pareil, je mets holding sur Jacup et j'attends qu'ils atterrissent et je vais. Après, si tu veux venir dans mon holding un peu plus haut, il n'y a pas de souci, hein. Au 1008.
partout, Base Gear, full stop, surface. Rogue 6 when starting override jackup starting approach et yeah, approach. Rogue 6-1, glide stop, to runway 0-5. Rogue 6-2, override jump put in. Alex 4-4, runway 0-5, vacated via Delta, taxiing following 4-3. Il y a 250 nœuds, 5 nœuds. Ok, bah je peux mettre à mes vitesses d'approche. Bon. Ah, tiens, j'ai une déco ça là. Ok, on se retrouve au bar. Je viens de toucher, j'ai pris la bande de droite comme.
Bon, pour assurer, je suis allé jusqu'au fond. Rogue 6-1, runway 05, vacating, exit, echo. Oh, un beau mirage F1. Thank you.
Je coupe.